Underground Spiritual Group. Rendezvous online every week. An insight into the life of Fela Kuti, his music, and his influence. Stay connected. Et tout cela nous amène sur le territoire de la reprise de l'esprit afrobeat, de l'esthétique afrobeat, de l'esprit politique de Fela Anikolapo Kuti, dans ce qu'on peut aujourd'hui présenter comme étant la diaspora. Anti-balage américain, mais il n'est pas le seul, puisque tu l'as dit tantôt, il y a le célébrissime Nesta Robert Marley, alias Bob Marley. Bob Marley qui, lui, dans sa musique, dans ses choix politiques, dans ses choix de discours, dans ce qu'il veut transmettre aux générations et au monde, c'est ce regard critique sur nos sociétés et l'identification des responsables des tares de notre société et de les confier dans des compositions comme Buffalo Soldier. Bien sûr, merci mon frère Soro. Buffalo Soldier, c'est un témoignage d'un Africain qui est amené dans le diaspora africain qui était Jamaïque. Pour les francophones ou les français, on peut dire que c'est un Africain amené aux lentilles anglophones et qui nous fait comprendre que l'histoire de diviser pour mieux régner, qu'on nous fait comprendre, parce que pour diviser les Africains et chez les Antillaises, on nous dit quoi? On dit c'est les Africains qui ont vendu les Antillaises à les Blancs. Si on peut arriver à dire ça, alors Buffalo Soldier, c'est un témoignage d'un noir de diaspora africain qui nous racontait comment le noir africain était vendu. Parce que Buffalo Soldier, il a dit Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta. Dreadlock Rasta, c'est qui? C'est le noir et c'est le noir l'homme et le noir femme qu'ils ont représentant de le peuple qu'ils ont vécu le traite négrier qui nous a amené jusqu'au lentier. Et Bob Marley veut dire, quand il dit par l'expression Dreadlock Rasta, c'est le résumé de la femme noire, de l'homme noir qui a été vendu en esclavage dans les Amériques. Exactement, mon frère. Et en plus de ça, il arrive en Amérique. Il était vendu, il était obligé à se battre quotidiennement. C'est vrai, stolen from Africa, fighting for survival. Voilà, et il arrive depuis son arrivée dans le côte occidental. Il était obligé à combattre quotidiennement, comme l'histoire d'aujourd'hui, ADN, il faut justifier ton ADN, machin, voilà. Il doit combattre pour survivre aux Américains. Voilà. Et notre cher Buffalo Soldier, le soldat africain, l'homme et femme, il a essayé à survivre. Voilà, ça nous amène quoi? Ça nous amène au même message de notre grand frère que nous faisons son anniversaire aujourd'hui, qui s'appelle Fela Anikolapo Kuti, qui a écrit le morceau qui s'appelle Why Black Man They Suffer Today.
lui aussi, dans une période entre quand Bob Marley il a écrit Buffalo Soldier l'année 68-69, et c'est là qu'il a 71 qu'il a écrit Why Black Man is So Far Today, il nous a compris pourquoi l'homme noir souffre aujourd'hui. Et c'est Why Black Man is So Far Today. Il racontait comment l'homme noir il était arraché dans la terre africaine, amené soit en Antillais, ou soit en Europe, ou aux États-Unis. Et voilà qui fait qu'aussi il n'y a pas un marché déjà. Parce que des gens qui voulaient justifier en disant que c'est les Noirs qui l'ont vendu leurs frères à les Occidentaux. S'il n'y a pas un marché, alors comment c'est le Noir qui a créé le marché? Alors, pour résumer, le parallèle que Heidi constate entre une composition de Bob Marley, Buffalo Soldier, et une composition de Fela Anikulapo Kuti, Why Black Man des Sofa. Le parallèle, c'est de démontrer que le marché de l'esclavage a été entièrement organisé, bien entendu, par des négriers qui n'étaient pas forcément africains. Même si le discours entendu veut montrer que, oui, ce sont quand même les Africains qui ont vendu leurs frères, quoi. Bob Marley vient dire, non, Buffalo Soldier, le soldat américain, est venu en Afrique, il a volé les populations africaines, il a créé un marché aux Amériques et il les a vendus. Et il s'inscrit, cette chanson, cette composition s'inscrit en droite ligne dans la pensée d'une composition de Fela Anikulapo Kuti, Why the Black Man, the Suffer, qui pour démontrer aussi comment ces Africains ont été volés par les négriers et vendus aux Américains. Ce qui nous ramène sur ce chapitre que nous développons, la continuité de l'esthétique de l'afrobeat et aussi de la continuité de l'esprit politique de la musique et des lyriques de Fela Anikulapo Kuti qui se traduit par les œuvres d'un afro-américain comme Bob Marley de Jamaïque à travers une chanson comme Buffalo Soldier, ce qui ne fait qu'assurer la continuité de l'esprit de quelqu'un comme Antibalaz ou Is America. Ça, ce sont les représentants de la continuité de l'esprit de l'Afrobeat. Et sur le continent même, à partir des années 90, en Afrique occidentale, on voit l'émergence d'un jeune chanteur de reggae, un Ivoirien, Chikenja Fakoly, et qui par ses choix politiques, par les sujets qu'il décide de traiter, que ce soit de sa première cassette, Jelly, au dernier album qui est sorti le mois de septembre, le 24 septembre, c'est toujours un regard critique sur la politique africaine par ses dirigeants et un regard politique sur l'incidence ou la manipulation des puissances occidentales qui se présentent comme l'Angleterre, l'Amérique, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, bref. Et ce Chikenja Fakoly, aujourd'hui, revient avec un titre qui se trouve être le même titre, avec le même vocabulaire que celui de Bob Marley, Soldier. Et ce Chikenja Fakoly vient toucher du doigt comment ces soldats de l'Amérique, après l'esclavage, se traduisent par toujours la domination permanente dans les guerres sur la planète et en l'occurrence celle de l'Irak. Exactement. C'est le truc qui est intéressant dans ce morceau, c'est il y a un an, notre petit frère Chikenja, il nous avait fait sur felaradioshine.com une exclusivité de ce morceau qui parle de soldats. Parce que les États-Unis, ils parlent d'exporter démocratie mondialement. Et malheureusement, la même gens qui nous parlaient de démocratie, qui parlaient de transparence, qui parlent de transparence, comme on dit en français, c'est eux qui ont fabriqué l'excuse pour aller en Irak. Et notre petit frère, il a dit quoi? Soldier, soldier, soldier.
Hey, American soldier, 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 soldier. Oh, British soldier, you say you want a unification. You say you want a peace and a money. But I don't know why you're dealing with your bombs on Afghanistan. But I don't know why you're dealing with your bombs on Iraq, I say. Chicken Jaffa Coli, quasiment un peu plus d'une décennie après Fela Nicolas Pocoutier, après Bob Marley, puisque le Buffalo Soldier de Bob Marley, il est sorti en 83, c'est-à-dire après, 2 ans après son décès. Et on retrouve toujours cet esprit de mettre le doigt, de vraiment tarauder nos hommes politiques, nos dirigeants de la planète, d'éclairer les consciences sur les véritables responsables de nos problèmes, de nos maux, de nos maladies planétaires dans nos sociétés, qu'elles soient africaines ou au niveau planétaire. Ça peut être la France, les États-Unis, l'Amérique, je le répète, l'Angleterre, etc. Et je veux dire, que ce soit Fela Nicolas Pocoti, Antibalaz, Bob Marley, et même pour en arriver aux enfants de Fela Nicolas Pocoti, qui sont Femi Kuti, Cheun Kuti, quand on effectue des choix comme les leurs, de dire toutes les vérités, comme on dit dans ma tribu, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Et les gens auxquels on dit la vérité, qui leur mettent ces vérités, qui mettent les doigts sur leurs responsabilités, quand ils sont détenteurs du pouvoir, ils ne vous regardent pas avec des yeux sympas. C'est des yeux plutôt rouges de colère et plutôt rouges d'esprit de vengeance. Forcément, des artistes, des créateurs comme Femi, les Cheun, les Tiken, les Bob Marley, ils ont dû payer de leur vie, comme on appelle, ces choix politiques, ces choix artistiques. Pour terminer sur qu'on appelle Tiken Jaffa Coli, aujourd'hui, il se retrouve en exil au Mali. Et pour le rattacher à Fela à Nicolas Pocoti, je l'ai déjà dit en début d'émission, il a comparu 365 fois devant les tribunaux du Nigeria. Le nombre d'emprisonnements ne se raconte pas. Et ce n'est pas chaque fois qu'il sortait indemne. C'est parfois au prix de 2-3 fractures aux différents membres de son corps. Bref, il a payé le prix. Et c'est quoi? C'est ce prix qu'il a payé pour cette liberté qu'il s'est donnée de raconter les problèmes des humains, de raconter comment on se faisait manipuler par tous ces détenteurs de pouvoir. C'est consigné dans un non-soldat, si je ne me trompe pas, Heidi.
Et par contre, avant que je me lance dans l'histoire de Onlan Soja, il faut que je te rappelle, mon cher Soro Soro, que grâce à la résistance contre le système, grâce à notre liberté pour parler contre le système, qu'on est toi aujourd'hui parmi nous. Parce que si c'est ici, et toi aussi tu es exilé en France, grâce à cette histoire où on parle la vérité chaque fois et on se fait tabasser par le système. Et voilà, Fela il a payé avec Onlan Soja, Tikindja, il a payé avec son chanson « Où veux-tu que j'aille ?» Voilà. C'est l'album Coup de gueule, sorti chez Universal. Exactement. Et c'est pareil avec Fela, qu'il est arrivé l'année 77, après le grand festival qui a réuni les écrivains et les artistes noirs mondiaux. Le Festival international des arts nègres à Lagos en 77, appelé le Festac. Festac 77. Fela, la maison de Fela, elle était incendiée par le gouvernement de Obasanjo. Et si nous rappelons bien, qui est Obasanjo? Obasanjo, c'est le monsieur qui a brûlé la maison de Fela. Bon, accepté par le pouvoir occidental, toujours en disant Monsieur démocratie du Nigeria. On a vu qu'est-ce qu'il a fait avec la dernière élection en imposant le nouveau président qui s'appelle Monsieur Yaradua au pouvoir. Voilà où on est. Onlan Soja, c'est quoi? Onlan Soja, c'est les militaires qui ont 1000 militaires armés jusqu'à dents, qui ont attaqué au plein milieu de la journée. On a plus que 20 000 ou 50 000 spectateurs nigériens qui ont vu au plein journée le militaire nigérien qui attaque la maison, qui incendie cette maison, violer les femmes qui sont là. Même il y a les femmes qui ont, je ne peux pas vous, parce que c'est trop horrible à raconter ça. Bon, ils ont mis les bouteilles. Je ne peux pas vous raconter où exactement, parce que c'est trop triste. En fait, cette attaque de l'armée nigériane, c'était contre le shrine, la résidence de Fela à Nicolas Porcoti. Le prix extrême qu'il a payé. Exactement. Et ça continue. On a les artistes suivants. Les artistes qui l'ont lui suivi tout de suite, qui n'ont pas le courage, comme Alpha Blondie, au bout d'un moment, qui parle de Ofoboni et Rastaman. Bon, grâce à l'esprit de résistance, on a des gens comme Tikindja Fakoli aujourd'hui, qui parlent clairement, qui citent leur nom. Ok, je comprends le problème de le frère Alpha. Ouais, ça fait dire, on ne peut pas entrer dans son histoire, pourquoi il a fait ça. Bon, au même temps... Raconte, Heidi, raconte le prix que Fela a payé. Voilà. Et pour ses choix politiques. Voilà. Fela, il a payé cette prix. On l'a brûlé sa maison. On l'a mis en prison plusieurs fois. Et ça continue. Aujourd'hui, avec des gens comme Tiken, qu'il a perdu sa maison dans ce même esprit de le pouvoir qui voulait supprimer la vérité. Aujourd'hui, heureusement, ça reste dans l'esprit de Fela qui dit « Music, c'est une arme. Music is the weapon. » And « Music, c'est une arme » a fait passer la vérité à les des gens. Et grâce à son effort pionnier à l'époque. Des gens comme Tikindja, il faut continuer. Même s'ils ne jouent pas l'afrobeat, ils jouent le style reggae, comme on dit. Comme musique reggae, comme jazz, comme l'afrobeat, ils sont tous les classiques noirs, de le peuple noir qui utilisent cette musique comme un arme de résistance. Merci beaucoup, les chers auditeurs, et merci pour nous écouter dans cet anniversaire de le grand homme africain, Fela Nicolas Porcoti. Et c'est pas merci uniquement à cause de son anniversaire. Pour l'anniversaire de la naissance de Fela est notre prétexte pour raconter la vie politique à travers une arme comme celle de la musique d'un homme comme Fela Nicolas Porcoti.
agreement today, no agreement tomorrow. No agreement today, no agreement tomorrow. No agreement today, no agreement tomorrow.